Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée, la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre. Et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée, aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers ? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider !» Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. » Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Dieu est amour. Ce n'est que sur la route de l'amour que tu peux connaître Dieu. Un amour raisonnable, accompagné par la raison, mais de l'amour. Mais comment puis-je aimer ce que je ne connais pas ? Aime ceux qui sont proches de toi. Telle est précisément la doctrine de deux commandements. Le plus important est aimer Dieu, car il est amour. Le deuxième, en revanche, est aimer son prochain. Mais pour arriver au premier, nous devons monter par les escaliers du second, c'est-à-dire à travers l'amour du prochain. Nous arrivons à connaître Dieu qui est amour. Ce n'est qu'en aimant raisonnablement, mais en aimant, que nous pouvons arriver à cet amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô admirable Sainte Marthe, j'ai recours à vous et je compte entièrement sur votre aide dans mes besoins
et surtout sur votre assistance dans mes épreuves. Comme remerciement, je vous promets de propager partout cette prière. Consolez-moi dans mes soucis et difficultés, je vous en supplie humblement. Par l'immense joie qui a rempli votre âme, lorsque vous receviez le Sauveur du monde dans votre demeure de Béthanie, je vous prie d'intercéder pour moi et ma famille, afin que nous gardions Dieu dans notre cœur, et qu'ainsi nous méritions d'obtenir le remède à nos nécessités, spécialement dans la situation actuelle qui m'accable. Je vous en supplie, auxiliatrice dans tous les besoins, aidez-moi à surmonter les difficultés, vous qui avez si victorieusement combattu le démon. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette petite intervention pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de commentaires en août, commentaires de l'Évangile, puisque nous partons en vacances et que les commentaires que nous partageons sont partagés 2 semaines à l'avance et on est obligé de tout prévoir et tout planifier pour le mois d'août. J'en profite aussi pour vous dire que l'équipe sera complètement occupée, elle ne pourra pas répondre aux commentaires, ni peut-être les voir. Il y aura une assistance qui sera là si jamais il y a un problème technique, mais vous inquiétez pas, normalement on sera toujours là. C'est juste que on prendra plus autant de temps pour accompagner la chaîne, pour répondre aux commentaires, pour lire tous vos commentaires, voilà. Pendant ce mois-ci, on ne pourra pas parce qu'on a aussi une vie à côté et qu'on s'est forcé à le faire jusqu'à maintenant, mais pour les vacances, ça va être assez compliqué. Première chose. Deuxième chose, on va lancer en août, le 1er août, les lectures des chapitres de Saint Bonaventure sur le livre La méditation de la vie du Christ. Alors ça, c'est un parcours de sainteté fantastique. Ça vous fait comprendre en profondeur comment le Christ voit les choses. Ça nous met en fait en situation de créature devant le Créateur. Et c'est le parcours de sainteté le plus extraordinaire qui m'ait été donné de voir, et encore, j'ai même pas tout lu. Voilà, donc je vous invite à le faire si jamais vous êtes dans cette démarche et que vous voulez être saint. Donc ça, ce sera partagé, il y aura un chapitre par jour sur la chaîne Catoglat de prière. Donc ce sera juste un audio, et avec cet audio, normalement, si tout se passe bien, il y aura une image, et cette image sera en lien avec le chapitre, le thème du chapitre. Donc si c'est l'Annonciation de la Vierge Marie, il y aura la Vierge avec l'ange, voilà, c'est un exemple. Et ça, il y aura une image par jour, normalement. Cette image, qui sera dessinée spécialement pour Catoglade avec une artiste qui s'appelle Sixtine, vous pourrez l'acheter. Vous pourrez l'acheter, mais il n'y en aura qu'un exemplaire. Ou peut-être plus, mais on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Et donc, c'est des dessins numériques qui seront numérotés. L'image sera numérotée. Si on en fait 5, il y en aura 5. Voilà, on essaiera de satisfaire un peu tout le monde, mais le but, c'est pas que les images se répandent partout, c'est vraiment d'avoir quelque chose de précieux, et pour rémunérer celle qui le fait, et pour aussi rémunérer la mission Catoglade. Voilà. J'aimerais vous confier quelque chose d'important. Il y a des projets qui sont en route pour Catoglade, qui seront un peu satellites, voilà, c'est pas directement lié à Catoglade, mais c'est satellite et c'est pour l'évangélisation. Donc je vous confie ces projets en prière, donc pensez à nous quand vous priez,
penser au projet d'évangélisation qu'on est en train d'essayer de penser et de mettre en place pour qu'on soit bien inspiré d'Esprit Saint. Voilà, et accompagnez-nous par votre prière. Ce sera vraiment bien parce qu'on en a besoin toujours. Et on vous tient au courant pour ces projets qui se mettront en place dans le long terme. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on vous tient au courant. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à partager toujours autour de vous la parole parce que c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui touche les cœurs. C'est quelque chose qui nous amène au Christ et qui sauve les âmes. Voilà. Donc, merci à vous. Je vous dis à bientôt, à la rentrée de septembre. Et voilà.